partir à nouveau. Pour changer. Camille, tu sais ce que c'est que mon travail, mes obligations. Puis de toute façon, toi, tu dois finir tes études. Bah justement, je sais pas quoi faire. C'est ça qui est anormal. Tu viens d'avoir 18 ans, tu devrais être capable de prendre des décisions. Je sais pas, grandis un peu. Et puis arrête de faire la tête, y a vraiment pas de quoi. T'as de très bonnes notes à l'école, t'as des passe-temps. Des passe-temps? Sérieusement, papa? Ah oui. Le théâtre, c'est ma passion. Ce que je fais depuis que j'ai 10 ans. C'est pas un passe-temps. Je me demande si t'as vraiment été là ces 7 dernières années. Tu me parles sur un autre ton, Camille. Puis regarde-moi quand je te parle. C'est ton amie, la Diane, qui me met ses 10 dents en tête. Diane? Voilà. Pour ça, faudrait déjà que je la vois. Depuis qu'elle est en couple, elle me délaisse. On se voit plus qu'à l'école, alors. Oh, ça suffit, Camille. Arrête de te plaindre de tout. La vie des gens ne tourne pas autour de toi. Oh, merci. Camille, le prof a lu ta disserte, il conseille de tenter Louis Legrand. C'est vrai? Oui. Ah, c'est cool, en plus ça me fait une garantie. Ah, Camille, s'il te plaît, viens. Voilà, avant de commencer le cours, je voulais te parler de quelque chose. Je pense que t'as le niveau pour essayer de rentrer à l'ENSAT. Je pense que t'as les capacités pour, et je peux t'entraîner si tu veux pour l'audition. Je te préviens tout de suite, c'est du boulot, hein. Je vais être exigeante. Mais j'aimerais bien que t'essayes, au moins que tu te rends compte de ce que c'est de pouvoir faire une carrière dedans. Ah, mais je pensais tenter Louis le Grand aussi. Ben rien ne t'empêche de préparer les deux. Ouais, c'est vrai. Allez, va te placer. Ok. Tu sais, j'ai entendu dire que certains candidats pour ENSAT sont vraiment très bons. Une Camille Fallet notamment. Tu devrais peut-être commencer à douter. On est déjà en mars et le pré-concours est dans un mois. T'inquiète, je gère. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant pour rentrer à Louis le Grand. Si tu veux réussir, il va falloir travailler plus. Mais... Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est Camille. Et alors? Bah, c'est ma meilleure amie. Faudrait peut-être que je réponde. Et alors, moi, je suis ta copine. Bah, et c'est peut-être important. Mais non, allez, reste avec moi, s'il te plaît. Ok. J'aurais pu être beaucoup de choses. Je t'entends pas, là. Comment tu veux que ta voix, elle sorte si t'es déjà pas sur tes deux pieds? Ancre-toi dans le sol, lâche tes mains le long du corps, inspire, expire par le ventre et contracte le diaphragme et pousse la voix, regarde au loin. Arrête d'être aussi confiant, tu m'insupportes. Bon alors, prends tes pas encore au point. Au contraire, je suis déjà excellent. S'il te plaît, écoute-moi, je suis ton meilleur ami, alors si je te dis que tu n'es pas au point, tu ne l'es pas. Ok, je le fais une fois. Juste une. Putain, merci. Mais fais gaffe. Si tu continues comme ça, tu vas le regretter. Camille? Camille? Tu dois y aller, ça va bientôt être l'heure de ton concours. Merci beaucoup, hein. Désolée, au revoir. Quoi? Camille, les résultats sont affichés. Quelqu'un connaît Dorian Pommier? Je sais pas qui c'est, hein. Tu m'appelles? Ah. Évidemment, je suis premier. Va laisser attendre. Toi, t'es combien? T'es tensé. Ah, Camille Ferlet, c'est donc toi. T'as rien pour toi, hein. Pauvre fille. T'inquiète, ils vont revenir. Tu dois travailler plus, Camille. Bon, Camille, bouge-toi. Montre-moi une proposition correcte, là. Ça fait 2 heures qu'on est sur ta scène. Ça fait 2 heures que je te donne des indications et tu les respectes pas. Bah allez Camille, ça va aller. Bon maintenant c'est plus le temps de bouder. C'est l'heure, allez. Dis-moi que t'as pas fait le coin, que t'as bien travaillé.
Oui, maman. Dorian, je dis ça pour toi. Le concours, c'est aujourd'hui, et la confiance ne suffira pas. La confiance ne suffira pas? Mais tu crois que je n'ai que la confiance? J'ai le talent, moi! Tu ne sais pas ce que c'est, toi. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'en as pas. Tu crois que c'est pourquoi que j'ai fini premier au pré-concours? Hein? Dis-moi! Parce que je suis le meilleur! Le meilleur! D'accord? Alors, ok. Je n'ai pas beaucoup bossé. Mais je vais gérer. Je vais gérer et je vais être pris. Et je serai le meilleur élève que l'ENSAT n'ait jamais connu. Et ne me dis pas, s'il te plaît, de faire attention aux autres. Car aucun d'eux, même pas ta petite Camille là, n'arrive à mon niveau. Alors maintenant, si c'est pour faire des remarques comme ça, fous-moi la paix. Ne t'étonne pas si je ne viens pas au résultat tout à l'heure. Ou en n'importe quel autre moment de ta vie. Tu dois travailler plus, Camille. Bouge-toi. Montre-moi une proposition correcte, là. Je vais à nouveau partir. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... T'as rien pour toi. Bouge-toi. Partir. Travaillez plus. Vous êtes sur la messagerie du... Bouge-toi. Messagerie. Travaillez plus. Partir. Travaillez. Messagerie. Partir. Bouge-toi. Camille, ferlez. Camille Ferlet! Elle est là! Suivez-moi. Oublie pas que t'es la meilleure! Merci. Tiens, tiens, Camille Ferlet. Quand est-ce que tu comprendrais que tu n'as pas de talent? Pas aujourd'hui. Alors, papa? Ah oui? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu pensais vraiment que je serais pas là pour tes résultats? Bah oui, je pensais être seule aujourd'hui. Mais non, t'es pas seule, on est là pour toi, Camille. Camille, d'ailleurs, je tenais à te dire que si j'ai été sévère avec toi, c'était juste que je voulais te pousser, je voulais que tu donnes le meilleur de toi-même. Oui, je sais, merci. Bon alors, ça s'est passé comment? J'ai assuré! Oui! Les résultats? Je suis prise troisième! Oh, c'est génial! Oh, j'y crois pas! T'es ma meilleure! C'est trop bien! Tout va bien? Tu veux bien le fait d'être calée? Voilà, ferme! Faut pas être susceptible comme ça, hein! Seulement troisième, Camille? Ouais. C'est génial! C'est génial. Don't fight it, it's coming for your honor.